un peu comme lui. Il était géant avec beaucoup de cheveux. C'est un peu ça. Non. Non, dis la vérité. Arrête de tourner autour du pot. C'était Obie Fula que tu avais vu. Masiye Kwaba, ce n'était pas Obie Fula. Il était comme Obie Fula. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Ce n'était pas moi. Il vous a bien expliqué. Il a dit quelqu'un comme moi. Mais ce n'était pas moi. Vous voyez, mais il a bien témoigné. Il n'a pas dit. Le seul innocent dans cette communauté, c'est bien moi. Ne me mêlez plus dans cette histoire. Vous avez bien entendu. Elle est inconsciente maintenant, due à la substance. Vous allez l'amener dans ma chambre là-bas. Liez ses jambes et ses mains au cas où elle se réveille. Lise, je vais juste d'arriver. Elle m'a dit que c'était une machine. Je crois que ma sœur, tout va bien. Je ne savais même pas qu'elle allait venir cette nuit. Parce que je suis revenue les après-midi. Je suis vraiment désolée de te voir une autre fois. Présentement, je suis venue te dire ce qui concerne ta mère. Ma sœur, tu es au moins. J'en crois, c'est car Dieu a permis qu'il a donné son fils pour nous. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, vous nous prenez au ciel? Oh mon Dieu, tout ça pour moi, sérieux? Est-ce que tu es vraiment le civilage, toi? Je veux dire, tu vis ici. Là où j'étais, juste près. Si tu prends ta gauche, en bas, c'est là où j'habite, c'est pas vraiment loin. Apparemment, tu es le genre de personnes qui n'ont pas de cerveau. Tu agis vraiment comme si tu étais une femme. Tu as vraiment me diminuer et puis pas prochainement, même quand tu viendras à mon bureau, je te laisserai pas jouer. Mais la chose ici, mets-la ici. Tu es vraiment malade. Tu es vraiment malade, toi. Mon cher Thomas, est-ce que tu es là? Oui, elle est derrière. Ok. Tu fais quoi déjà? Oui, j'ai demandé si tu es sûr de ce que tu veux dire. Oh bébé, je suis sûr. Je suis tellement sûr. Ok, j'accepte. Qui a-t-il? Pourquoi crie-tu mon nom? Qu'est-ce que tu as raconté aux gens? Et tu es venu ici pour je me parler? Je sais que tu l'as fait. Faire quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais pas ce que tu as fait? Tu es la seule personne qui m'a dit quand j'ai pris la chèvre. Je sais que tu es la seule personne qui m'a vu avec cette chèvre. À part toi, personne ne m'a vu. Et c'est toujours toi qui as dit que je volais la chèvre. Tout va bien. Rien du tout ne va bien. Je ne suis pas heureux du tout. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui te dérange? Parle. On ne sait. Je viens te poser ces problèmes parce que c'est toi la tête de ce village ici. Et je ne veux pas avoir de problèmes entre mes mains. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On ici, écoute. J'ai remis mon bouc à mon fils pour qu'il aille le vendre. Et mon fils l'a attaché quelque part. Et soudainement, mon bouc a disparu. Quoi? Comment est-ce que cela était arrivé? Comment est-ce que c'était arrivé? Je ne sais pas comment cela s'est passé. Comment on construit l'histoire de ce village? Ne t'en fais pas. Je vais me rassurer de trouver les responsables de cette histoire. Nous allons l'attendre. Tu peux aller chercher d'autres filles du village. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Est-ce que ça va dans ta tête? Qu'est-ce que tu me veux? Nous ne voulons pas de toi. Tu es invalidé. Tu sais, je veux mon père, je pense. Tu es drôle. Tu m'aimes.
Oui. Je t'aime. Tu es le mari, tu l'aimes. Et tu es la plus belle femme que je vis dans ce village. Si tu m'aimes comme tu le dis, alors laisse-moi partir. Tu veux partir? Oui. Jamais. Tu ne vas nulle part. Écoute, je n'ai pas de femme. Donc, as-tu fini? Sors l'argent. Je n'ai pas fini, d'accord. Sors-nous l'argent. Viens me retirer. Le roi s'en va. Le roi est en train de partir. Tu ne partiras pas, s'il te plaît. Laisse pas l'argent. S'il te plaît. L'as-tu vu? Je ne l'ai pas vu depuis le matin. Hé! Oui, bon. Chinasa, tu pars. Mais oui. Ah. Dis-moi le secret ou laisse-moi retourner auprès de ma mère ou je vais me planter ces couteaux.